Salut les gaufrettes! Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle recette. Si vous aimez nos recettes et que vous voulez gagner nos fiches, retrouvez les liens de nos réseaux sociaux en barre d'infos. Abonnez-vous à ces réseaux. Et jouez au charade et rébus. C'est très très facile de gagner. Bon, l'été est bien là. Oui, c'est une chouette saison. Et j'ai donc prévu deux recettes pour une belle entrée. Découvrons-les ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour les verrines, il faudra 200 g de surimi râpé, 2 avocats et un demi-citron jaune, 2 tranches de truite fumée, 200 g de fromage à tartiner type Gervais, 100 g de crème fraîche liquide et de l'aneth. Je dépose harmonieusement le surimi au fond de chaque verrine. J'écrase l'avocat avec le jus de citron dans un bol. Je dépose harmonieusement l'avocat par-dessus le surimi. Je coupe la truite en petits dés, je garde 4 lamelles. Je dépose les dés de truite sur l'avocat. Je mélange le gervais, la crème fraîche et une cuillère à café d'aneth dans un bol. Je dépose harmonieusement la crème gervée sur les truites. Je dépose les lamelles de truite et saupoudre d'aneth. Ça part au frigo pendant 3 heures. Pour les mini cakes, il faudra 2 gousses d'ail, du persil, 5 tomates séchées, 100 g de farine, un demi-sachet de levure, 3 œufs, 80 ml de lait, 100 ml d'huile, une cuillère à café de ciboulette, 2 cuillères à café de moutarde, du sel et du poivre,
200 g de thon au naturel et 100 g de gruyère râpée. Je hache l'ail et le persil et je réserve. Je hache les tomates séchées et je réserve. Dans un cul de poule, je mélange bien la farine, la levure, les œufs, le lait, l'huile, la ciboulette, la moutarde, l'ail, le persil, les tomates, le sel et le poivre. J'ajoute le thon et le gruyère, puis je mélange à nouveau. Je remplis le moule à mini cake et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Ah oui, en effet, recette méga rapide. C'est super bon et ça présente bien en entrée pour des invités. C'est vrai, la verrine est super colorée. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions ou à nous contacter pour nous proposer vos recettes. Vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos en dessous des ingrédients. Et voilà, une nouvelle séance de terminée. On se retrouve ici même dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.